Pour une fois, je laisse tomber mes personnages habituels, Daniel, Lisa, qui sont déjà dans 5 romans, dans le 6e qui va sortir au mois de janvier. Le Loupin, c'est un one-shot, c'est un roman, une histoire noire, avec des personnages qui pourraient être un petit peu n'importe qui pourraient être justement ce type de personne qui lit ce livre. L'idée, c'est que l'histoire puisse arriver à une personne lambda, donc en l'occurrence un vétérinaire, qui rentre chez lui de nuit dans une forêt de Lyon, donc une région que je connais bien puisque j'y habite. Ce vétérinaire se trouve plongé au cœur d'une machination terrifiante dont il n'a aucune idée, qui va être menée par des mains qui viennent d'assez loin et par l'intermédiaire d'un vecteur dont je ne peux pas trop révéler l'existence sinon je vais déflorer le livre. Sachez quand même que ça tourne autour du monde animal et que c'est le centre même de ce livre. Difficile de parler de l'intrigue véritable. La seule chose que je peux dire, c'est que j'ai travaillé dans ce roman des côtés que je n'avais pas forcément travaillé avant. Comme l'humour, qui n'était pas spécifiquement une marque de mes précédents romans. Or, dans celui-ci, j'ai essayé véritablement de faire la part belle à ce côté-là, qui était vu un peu par Sens Interdit, que j'avais écrit précédemment. Cette histoire qui est un one-shot complètement extérieur à ma série habituelle et qui est donc le tout dernier sorti pour l'instant aux éditions de Boucan. Thank you.